Bienvenue dans la présentation sur les unités. Commençons par un petit problème. J'ai voyagé 0,5 km. J'ai voyagé 0,5 km et on me demande combien ça fait. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Combien ça fait en centimètres? En centimètres. Alors avant de commencer à réfléchir à comment résoudre mathématiquement un tel problème, faisons le point sur les préfixes que l'on voit là. On connaît tous les mètres. Précisons maintenant tous les préfixes qu'on rajoute devant kilo, par exemple kilomètre. Donc kilo signifie 1000. Kilo ensuite hecto signifie 100. Déca signifie 10. On peut penser par exemple à des décennies. Décennies, ça vaut 10 ans. L'absence de préfixe, si on a par exemple juste mètre ou une autre unité, qu'on va noter comme ça, veut dire 1. Ensuite, on a déci, qui vaut 0,1 ou bien un dixième. 1 sur 10. Déci, donc après, on a centi, qui vaut 0,01, ou bien encore 1 sur 100. Et enfin, on a milli, qui vaut 0,001, ou bien 1 sur 1000. Très bien. Donc, maintenant, on s'attaque à notre problème. On veut passer de kilomètres en centimètres. On a donc 0,5 km et on cherche à avoir des centimètres. Alors, on va y aller étape par étape. On va d'abord passer de kilomètres en mètres. C'est plus facile comme ceci. Et ensuite, on va passer de mètres en centimètres. Donc, réécrivons notre première valeur. On a 0,5 km. Km, c'est l'abréviation de kilomètres. 0,5 km, on veut passer en mètres. On va donc multiplier par le rapport du nombre de mètres qu'on a par kilomètre. Et alors, ce rapport-là, il nous est donné tout simplement grâce au préfixe kilo, qui nous dit que dans 1000 mètres, j'ai 1 kilomètre. Dans 1 kilomètre, j'ai 1000 mètres. C'est la même chose. Donc 0,5 km multiplié par 1000, c'est égal à 0,5, je déplace la virgule de 3 crans vers la droite, donc j'ai 500 mètres, puisqu'en effet, les dimensions kilomètres se simplifient. Il me reste donc 500 mètres pour 0,5 km. Autrement dit, 0,5 km, la moitié d'un kilomètre, c'est 500 mètres. 2 fois 500 est égal à 1000, 1 kilomètre, 1000 mètres. Très bien. Maintenant, je veux passer de 500 mètres en centimètres. Je veux savoir combien j'ai de mètres dans, combien j'ai de centimètres, pardon, dans 500 mètres. Alors, cette fois-ci, je vais devoir multiplier 500 mètres par le rapport du nombre de centimètres par mètre. Et combien j'ai de centimètres dans un mètre? On me dit, avec le préfixe centi, que j'ai 1 centième de mètre dans 1 centimètre. Oula, ou alors, dans 1 mètre, j'ai 100 centimètres. Ça revient au même que de dire que dans 1 centimètre, j'ai 1 centième de mètre. Donc, j'ai bien le bon rapport qui me permet de simplifier mes unités ici, les mètres. Donc, qui est ce rapport 100 cm par mètre. Je fais le calcul, j'obtiens 500 multiplié par 100, et 500 multiplié par 100, c'est égal à 50 000. J'ai obtenu 50 000 cm à partir de 0,5 km. Une chose importante qu'il est important de faire toujours quand on a fait ces calculs, pour être sûr et ne pas faire confiance aveuglément aux unités, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans notre rapport, il faut toujours prendre un pas de recul et réfléchir. Est-ce que je dois avoir un plus grand nombre ou un plus petit nombre que le nombre initial? Ici,
J'ai 0,5 km. Km, c'est une grande unité, c'est une plus grande unité que le mètre. Donc il est logique que lorsque je passe de kilomètre en mètre, j'ai un plus grand nombre devant, 0,5 et 500. 500 est plus grand que 0,5. De même, les mètres sont une plus grande unité que les centimètres, donc j'ai un plus grand nombre de centimètres que de mètres. Reprenons tout de suite avec un autre exemple, cette fois-ci impliquant l'unité de masse, les grammes. On a 422 décigrammes, et on veut savoir combien ça fait en milligrammes. Milligrammes. Alors, décigrammes qu'on va abréger comme ceci, et décigrammes. Pardon, et milligrammes qu'on écrira comme ceci. Alors un décigramme, c'est combien de grammes? On regarde notre échelle. Ici, l'échelle, je l'ai laissée, mais il faut que vous la connaissiez par cœur. Donc, dans un gramme, un décigramme, c'est un dixième de gramme, tandis que un milligramme, c'est un millième. Un millième. Donc, quel rapport on a entre un décigramme et un milligramme? On a un rapport de 1 sur 100. C'est-à-dire que 1 milligramme, c'est 100 fois plus petit que 1 décigramme. Autrement dit, dans un décigramme, c'est égal à 100 milligrammes. Donc pour passer de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On a 422 décigrammes qui va être égal, par lequel on va multiplier, pardon, par 100 milligrammes par décigramme. Ce qu'on cherche à avoir avec nos unités, c'est des décigrammes en haut et en bas de notre trait de fraction. Donc, on simplifie les décigrammes ici et on reste plus qu'avec 42 200 milligrammes. On aurait pu faire comme tout à l'heure, en passant de décigramme en gramme. On va le faire rapidement, parce que vous commencez à comprendre. Donc 422 décigrammes pour passer en grammes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les décigrammes, c'est une plus petite unité. Donc on a moins de grammes. On a moins de 422 grammes dans 422 décigrammes. Donc on divise par 10. 10, c'est grammes par décigramme. Donc on a ça veut dire 42,2 grammes. Et pour passer de grammes en milligrammes, on a 1000 fois plus de milligrammes, de 1000 fois plus que 42,2 milligrammes dans 42 grammes. Donc on va multiplier par 1000 milligrammes par gramme. Encore une fois, les grammes se simplifient et on a à nouveau notre 42 200 milligrammes. Voilà. Donc je pense que maintenant vous êtes prêt à pouvoir essayer quelques petits exercices de conversion.